chaque jour, la pollution plastique progresse. 80% des plastiques proviennent de l'intérieur des terres. Selon l'association Greenpeace, chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé dans l'océan. Et chaque année, entre 8 et 12 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. De nos jours, ce sont 660 espèces qui sont touchées par cette pollution et on estime qu'avant la fin du 21e siècle, l'ensemble de la chaîne alimentaire sera infecté. Non, monsieur et madame, Carolina. Comment est-il possible de retrouver du plastique dans l'océan ? Quand on jette un plastique sur la terre, avec le vent, avec le ruissellement, il va se retrouver dans les cours d'eau. Et les cours d'eau, ils sont tous connectés entre eux. Donc du petit cours d'eau, après ça va arriver dans un petit ruisseau, une rivière, un fleuve. Le fleuve, il se jette dans l'océan. Une loi européenne interdit certains plastiques à usage unique à partir de 2021. En France, les cotons-tiges, gobelets et assiettes en plastique sont interdits depuis le 1er janvier 2020.